Bonsoir, monsieur de Balthazar. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, m'expliquer votre métier, ce que vous faites dans la vie? Oui, bonsoir. Alors, comme vous le disiez, je m'appelle Jean-Marc de Balthazar et mon métier, alors certains diront que je suis photographe. J'essaye d'englober ça dans quelque chose d'un peu plus large qui est la création parce qu'effectivement, je fais des photos. Mais j'essaye d'amener la photo d'abord par un biais artistique, que ce soit pour des projets personnels. Bon, là, c'est logique, mais quand c'est pour des entreprises, j'essaye de raccorder ce projet artistique que j'ai, les têtes d'œufs, par exemple, dont je vais vous parler juste après, aux valeurs de l'entreprise et à ce qu'elle veut véhiculer voilà, en termes de valeurs, de produits, de services. Alors parlez-moi justement un petit peu de ce projet Tête 2. Alors le projet T2 est né le 1er mai 2014 très précisément, date à laquelle j'ai eu l'idée de prendre des vendeurs de mulets au coin de la rue. Et j'ai commencé une petite série comme ça de portraits, enfin plus du côté artistique. Et ensuite ça m'a donné l'idée de l'étendre à des événements. Donc je l'ai proposé à des événements type Inovia, je l'ai proposé à des entreprises dans différents domaines, à des magasins. Et du coup, j'ai continué cette série avec des produits. Et maintenant, j'essaye de vendre ça. Et bon, et j'ai des contacts et des clients intéressants là-dessus, que ce soit des cabinets d'avocats ou des industriels ou des magasins, des boutiques, qui sont séduits par ce concept et que j'amène par une approche artistique, voilà, et que j'adapte aux valeurs de l'entreprise. Et donc, on a hâte de découvrir les créations de Biz & Buzz. Voilà, que vous retrouverez sur ma page Facebook JM espace DE espace Balthazar et qui sera partagé sur l'album de l'événement de Biz & Buzz. Merci beaucoup. Merci beaucoup.